Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une nouvelle paire de chaussettes, les chaussettes Vergiari. Donc, dans mes recherches pour avoir une paire de chaussettes étanches et qui me protège du froid concernant ma pratique pour le vélo, je suis tombé sur ces chaussettes. Et comme l'indique le concepteur, donc j'ai l'affiche des chaussettes. Donc, c'est garanti 100% imperméable. Donc, si je mets mes pieds avec cette chaussette dans l'eau, normalement mes pieds restent secs. Ça va me protéger également du froid et ça permet d'évacuer l'humidité qui est à l'intérieur des chaussettes. Donc je vais tester tout ça. Je vais effectuer un premier test en randonnée. Je vais essayer de trouver une petite flaque d'eau bien froide puisque nous sommes en hiver actuellement. Il fait 3 degrés à l'extérieur. Et je vais mettre mon pied avec cette chaussette dans l'eau et on va voir si mon pied reste sec. Et si ça me préserve un petit peu du froid. Donc je tiens également à préciser que ce n'est pas indiqué qu'une chaussette, une seule chaussette, pèse 40 grammes. Donc là-dessus, il faut faut bien prendre en considération qu'il va y avoir 40 grammes en plus si vous courez avec. Donc ce n'est pas complètement négligeable. Faut bien faire attention également, comme le dit le concepteur, au niveau du nettoyage, comme il y a trois tissus spécifiques. Vous ne pouvez pas mettre la chaussette dans une machine à laver, ni même la sécher dans un sèche-linge. Donc il faut tout laver à la main et laisser sécher à l'air libre. Donc voilà, on se retrouve très vite pour un premier test en extérieur. Bon, alors c'est parti pour le test des chaussettes en conditions réelles. Donc on a trouvé un petit plan d'eau. Je vais tester les chaussettes là-dedans. Donc je vais voir si elles me protègent du froid et si elles résistent à l'eau. Je m'équipe. Donc là, je le prouve, le pied est complètement sec. Et je vais mettre la chaussette. Parti, je mets le pied dans l'eau. Je tombe. Je sens la fraîcheur de l'eau sur le pied. Je confirme que ça protège quand même bien du froid. Par rapport à la main, là, je sens que mon pied est protégé du froid. Je bouge un peu. Verdict en équilibre. Le pied complètement sec. Je confirme, complètement sec. Pour un premier test, on va dire en conditions gentilles. Ok, j'ai pas, je cours pas avec. C'est surtout destiné pour le vélo. Je compte essayer ces chaussettes sur le vélo. Pour me protéger de l'humidité, puisque ces chaussettes permettent également d'évacuer la transpiration vers l'extérieur. Donc c'est surtout là également que je vais voir si les chaussettes sont meilleures, puisque les autres chaussettes que j'avais avant me comprimaient un peu le pied, et surtout elles n'évacuaient pas la chaleur. Donc finalement mon pied était humide, et avec le froid à l'extérieur, ça rafraîchissait ma transpiration, et du coup j'avais quand même plus ou moins les pieds froids au bout de 3 heures. Donc avec ces chaussettes, je verrai s'il y a du mieux. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!